Une fois l'atelier créé, il faut maintenant l'organiser. Pour cela, on va créer des espaces, par exemple un espace par niveau. Donc moi, je vais mettre un espace quatrième. On évite dans cette partie-là de mettre tout ce qui est accent, signe de ponctuation et espace. Il vaut mieux le remplacer par le caractère souligné, le tiret du 8. Voilà, donc je clique sur OK. Mon espace vient d'être créé. Pour en créer un au même niveau, je recommence l'opération en faisant bouton droit, par exemple, créer un espace. Pour créer un espace, par exemple, cinquième. Si je veux créer un espace à l'intérieur de quatrième, par exemple, ici, bouton droit sur quatrième, créer un espace, et je vais indiquer, par exemple, l'activité que je souhaite créer, 4CI2-S. Voilà. À l'intérieur de chaque activité, je vous conseille de recréer un espace ressources qui permettra de stocker toutes les ressources dont vous avez besoin. Là encore, on évite les majuscules, les signes de ponctuation, les accents et les espaces. Voilà.